Salut à tous, c'est Aaron Design. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour ceux qui débutent dans Photoshop et qui savent pas trop encore utiliser toutes les interfaces ou les éléments qui sont à notre disposition. Donc aujourd'hui, ça va être sur comment installer une police d'écriture sur Photoshop. Donc il n'y a rien de plus simple, pardon. Donc je vais vous mettre le lien ensuite du site sur la vidéo. Donc dafont.com. Donc comme le nom l'indique, c'est un site qui permet de trouver énormément de polices qui sont donc classées par catégorie. Un peu importe ce que vous cherchez, il y a vraiment de tout. Tout est gratuit, bien évidemment. Donc on va prendre un exemple tout de suite. Hein, je sais pas, on va aller dans Fantasy Horreur. Hop. Voilà, on va essayer de télécharger qui est ici. Et ah oui, il vous faut absolument WinRAR pour utiliser cette police. Donc ça télécharge. Et voilà. Donc une fois dans WinRAR, vous faites extraire vert. Vous ouvrez un dossier, un peu importe. Que vous me rappelez où ils sont. Donc moi, hop, je la mets dans ma police. Ok, j'ai un petit bug, je sais pas si ça a marché. Je vais voir tout de suite. Alors, où c'est que je l'ai mis là? Voilà, elle est là. Donc ensuite, une fois que vous l'avez récupéré dans votre dossier, vous allez avoir une petite image avec pour le type de police avec son nom. Vous faites clic droit, installer, tout simplement. Donc ça charge. En attendant, il y a mon chat qui fout du bordel. Voilà. Ensuite, voilà, ça a été installé. On peut aller sur Photoshop. Je vais faire vite fait un nouveau truc pour vous montrer. Dans l'interface police. Et vous cherchez le nom de la police qui était. Voilà. Et voilà, j'ai donc la nouvelle police. Rien de plus simple. Et voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé. J'en ferai d'autres pour les bases et d'autres un peu plus avancées pour ceux qui connaissent déjà tout ça. Voilà. Merci et à bientôt.